Voilà pour ce soir. Ces membres des conseils municipaux qui devront avoir à cœur la propreté de la ville et bien d'autres, au même titre d'ailleurs que les journées citoyennes initiées par le président de la République. Hier, premier samedi du mois donc, le secrétaire général du ministère du Budget, au nom du ministre, empêché s'est entouré de plusieurs de ses collaborateurs pour donner un éclat particulier à leur environnement professionnel. Wilfried Piga Wamba, Michel John Boudéan. En 2010, sonne le glas de la lutte contre l'insalubrité avec l'instauration de la journée citoyenne. Depuis, les Gabonais se sont appropriés ce concept qui consiste à rendre reluisant l'espace vital et professionnel. C'est donc pour respecter et pérenniser cette consigne que le personnel du ministère du Budget, sous la supervision de son secrétaire général, s'est armé de pelles, balais, brouettes et autres outils de nettoyage. Sous la houlette de M. le ministre d'État Jean-Fidèle Otando, ministre du Budget et des Comptes publics, nous nous sommes attelés à donner corps à la très haute instruction du chef de l'État visant à célébrer concomitamment une journée du drapeau et une journée citoyenne. Par rapport au caractère difficile d'une journée citoyenne devant se tenir en pleine semaine de travail, je pense qu'une grande dame, pour ne pas la nommer, Mme Rose Soukara-Ponda, avait demandé à ce que ce fût le premier samedi du mois. Devenue une tradition, la journée citoyenne joue ici sa partition dans les mécanismes de préservation de l'environnement. Il faut préserver l'environnement pour que l'exploitation des ressources aujourd'hui ne puisse pas obérer les capacités de développement des sociétés à venir. Et vous avez, à côté de cet élément écologique ou environnemental, la préservation de l'environnement en termes d'hygiène. Donc, la propreté touche non seulement l'environnement immédiat, qui est notre domicile, mais également l'endroit où on passe finalement plus de temps que la maison. On passe plus de temps au bureau. Donc, la salubrité en milieu professionnel est une exigence du chef de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes attelés 14 mois d'affilée à faire vivre cette institution du chef de l'État, même si d'autres ministères ne le font pas, nous les invitons à redonner corps à cette institution. La montée des couleurs nationales reste l'innovation adoptée qui est venue renforcer l'esprit patriotique avant de mettre un terme à ces retrouvailles à caractère social.